Est-ce que vous avez torturé M. Mamadou Lamine Sall? Je ne l'ai jamais torturé. Est-ce que vous avez remarqué sa présence au camp Koundara? Pourquoi j'ai dit que je l'ai remarqué? Parce qu'il fallait la déclaration. Parce que dans sa déclaration, il avait dit qu'il m'a vu offrir de beurre de karité à quelqu'un. Donc vous êtes convaincu. C'est là-bas que Nafala. C'est à cause de ça que j'ai dit qu'il a été là. Parce que nous donnons ça le premier jour. Donc si m'a connu, c'est ce jour-là où j'ai offert le beurre de karité. Parce que quand j'ai acheté ça, c'est un petit que j'ai fait sortir. Bien, c'est bon, vous avez déjà dit ça. Donc vous êtes convaincu que M. Mamadou Lamine Sall est passé au camp Koundara? Selon son dit. Est-ce que vous êtes convaincu de qualité? C'est pour cela que j'ai convaincu. Bon, quand il a dit que j'ai offert du beurre de qualité, c'est pour cela que je suis convaincu qu'il a été là. Bien. Voilà. Monsieur Mamadou Lamine Sall, est-ce qu'il s'agit bien de ce sergent Paul? Est-ce que c'est bien lui? C'est lui-même. Merci, Monsieur le Président. Parti civil. Défense. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, et encore une fois, nous sommes satisfaits de ce qui vient de se passer. Je vais m'adresser à Monsieur Sall et après à Paul Mansin. Monsieur Sall, dans vos déclarations, vous avez tantôt parlé du commandant Beugré. Vous aviez dit que parfois Beugré ordonnait à Tanene de vous donner des coups. Et que Tanene, à son tour, choisissait des exécutants. Et dans vos dépositions devant le juge d'instruction, votre avocat, maître Martin Pradel, vous a montré des photos où vous avez reconnu un soldat qui aurait assisté aux abus que vous avez subis. Mais ici, vous dites que on vous entassait. Est-ce que l'ordre provenait directement de Paul Mansa, oui ou non? Là où on était enfermé, c'est lui. Non, je parle du moment où on vous entassait aux mains. Oui, dans la prison là-bas, c'est lui. C'est ce que je vous dis. Donc l'ordre provenait directement de lui. C'est lui qui le faisait là-bas même, lui-même. Voilà. Monsieur Paul Mansa. Président maître. Quelle autorité vous aviez pour pouvoir donner des ordres de ce genre? Mangaya Mundune, il est en ordre de modèle ici, comme sergent. J'étais là-bas comme sergent. Simple sentinelle. Simple sentinelle. Ou quand quoi qu'au sergent, ordre mouillera tout, ordre mouillera tina. Aro Joga, tu fous ce yamiror. Mahinante à Namani, à Mansiga Hangiri. C'est la générosité qui m'a envoyé jusqu'en prison. Mahinante à Nani. C'est ma générosité qui m'a envoyé jusqu'en prison. Si j'étais resté dans mon poste, ce qui m'est arrivé comme ça n'arrive pas à m'arriver. Aussi, quand on vraiment qu'on t'aurait dit, on jurement de m'accorder un avis, moi, ah, kakaso. Sinon, non, l'autre n'a pas poste, ma quoi, et bata, non, quoi, quoi, bidon. Au jurminion, quoi. On va jurminer, quoi, dans le caso.
lui peut avoir le sentiment de pitié à quelqu'un en prison. Là où nous sommes comme ça, là, il a une petite chambrette comme ça là, à côté. Lui ne peut pas avoir le sentiment de pitié. Je peux parler. Je continue. Paul Massa. Maître. On dit tantôt Beugré, on parle de Tanen. En même temps, on parle des exécutants. Est-ce que M. Sall se trompe-t-il sur votre personne? Beugré, il n'a pas tanné, il n'a pas fait falamabé. Et Beugré a fait falamabé. Est-ce que Gimou Tantang ou Imanien? Non, madame Faladé. Ce que je peux dire, Guinambirim Falari. Tout ce que ce dernier a dit, Moufarabanago. Nous allons tous mourir. Hein. Deuxième jugement, alors, mène-moi garou bébé. Le deuxième jugement, ça serait chez Dieu. C'est plus effrayant qu'ici. Kaginta Kolongui. Si ce dernier me connaissait. Oh, nous m'a dit Tagui. En Koloman, n'a pas tiré. C'est la partie là où j'ai donné le beurre de karité à quelqu'un. C'est là. Non, n'a pas comme feignari. Oh, nous m'a dit solo fili Tagui à Tananaki. Ce que j'ai fait comme mal entre moi et mes sept enfants, c'est ça. Mais Gina Flantana Bombo. Or, du Mouni. Commandant Mouna, garnison Mouna, si lui secrétaire Mouna. Je ne suis pas commandant, je ne suis pas secrétaire. Qu'est-ce que je peux lui faire là-bas? Au Kanko, au frère Sandy, moi, il y a quoi dit qu'on faut. Si tu es bon, il y a quoi dit, moi, il y a un bon tani, mon bonheur, parce que pour Johnny, il y a un bancaire qu'on faut. Si on a une mobile, il y a un commandant, il y a un secrétaire, il y a un hagigano. Monsieur Sall, est-ce que vous confirmez? Lorsque Paul Massa dit qu'il a donné du beurre de karité à un détenu afin de se traiter. Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Oui, c'était donc dire que Paul Massa a dit qu'il a donné du beurre de karité à un détenu afin de se traiter. Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Oui, c'était donc je n'ai pas vu ça de mes yeux. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, c'était un anonyme. Je n'avais pas entendu parler de quelqu'un là-bas aussi, de cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable Monsieur Sœur, je vous remercie. Monsieur Sall. Non. En qui on peut croire, entre vous et Paul Massa, votre parole ou celle de Monsieur Paul Massa? Kongol Hongol Jetete, Kongol Mongol Kako, Kongol Paul Massa. So y men not damado, Kwebendaru Kambelambe. Mais si nous ont appelé ici, les chefs, ils sont bien mieux placés pour ça, ils n'ont qu'à voir de quoi en tenir.